بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Exercice numéro 30 sur les suites numériques niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Soit UN, N appartenant à N, une suite numérique définie par UN est égal à 2N plus 4. UN est-elle une suite arithmétique? 2. Soit VN, N appartenant à N, une suite numérique définie par VN est égal à N racine carrée de N. VN est-elle une suite arithmétique? Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, passons à la réponse. Réponse. On a U de N est égal à 2N plus 4. Voyons si UN est une suite arithmétique ou non. Bon, la définition d'une suite arithmétique. Bon, une suite UN est arithmétique si, quel que soit N appartenant à N, U de N plus 1 moins U de N est égal à une certaine valeur fixe, appelée la raison de cette suite. Donc, on va tout simplement calculer U de N plus 1 moins U de N. On a U de N plus 1 moins U de N qui est égal à 2 facteurs de N plus 1. J'ai remplacé N par N plus 1, plus 4, moins 2N, moins 4. 4 moins 4, c'est 0. Ça donne 2N plus 2, moins 2N. 2N moins 2N est égal à 0. Vous avez, et nous allons trouver 2, qui est une valeur indépendante de N. C'est une valeur fixe. Donc, UN est une suite arithmétique. De raison 2. Passons à l'autre question. Petit 2, on a Vn qui est égal à n racine carrée de n. Voyons si Vn est une suite arithmétique ou non. Elle dit que le départ, mais non, ce n'est pas une suite arithmétique. Donc on va tout simplement calculer par exemple V0, V1, V2. Trois termes consécutifs et où nous allons voir la différence entre V1 et V0 et V2 et V1, vous allez voir que cette différence ne donne pas le même nombre. On a V0 est égal à 0 racine carrée de 0 qui est égal à 0. V1 est égal à 1 racine carrée de 1 qui est égal à 1. V2 est égal à 2 racine carrée de 2. V1 moins V0 est égal à 1 moins 0, qui est égal à 1. Et V2 moins V1, qui est égal à 2 racine carrée de 2, moins 1. Et comme 2 racine carrée de 2 moins 1, il est différent de 1, alors Vn n'est pas une suite arithmétique. Mais le cas arithmétique, elle a fait les trois premiers exemples. V1 moins V0 est égal à une certaine valeur qui se répète dans V2 moins V1, n'est-ce pas? Puisque V2 moins V1 est différent de V1 moins V0, alors ce n'est pas une suite arithmétique. Donc ce n'est pas la peine de continuer. Alors, V1 moins V0 est différent de V2 moins V1. Conclusion, Vn n'est pas une suite arithmétique. On fait cette méthode lorsqu'on voit dès le départ que ce n'est pas une suite arithmétique, c'est-à-dire trois termes consécutifs
quelconque, يعني نقدر ناخذ V0, V1, V2 ولا V10, V11, V12 وتنحسبوا الفرق بين V1 et V0 et V2 et V1, on trouve la différence, que ces deux valeurs sont différentes, donc ce n'est pas une suite arithmétique. Voilà, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.